Aya, arrête. Je vais monter dessus. Aya. Mais Zaza. Aya. Mais qu'est-ce que tu fais? Aya, tu touches au carnet de santé. C'est pour aller chez le docteur. Tu vas aller chez le docteur? Non. Non, alors tu ne touches pas à ton carnet de santé, d'accord? Non, on va pas y aller. Mais si tu touches au carnet de santé, c'est pour aller chez le docteur. Non. Non, mais tu vas pas y aller, d'accord? Ouais, je m'appelle Aya. Ouais, ouais. Et j'ai été à la muscu. Non. Et j'arrête pas de dire non. Encore non. Tu t'appelles Aya et tu vas aller à la muscu? Non. T'as pris des protéines? Non. T'as pris de la whey? Non. T'as pris des picouzes? C'est naturel? Non. Bah alors, t'as pris quoi? Papa, il est comme ça? Papa. C'est papa, là? Papa. Mais salut, toi. On monte sur la moto? Non. On monte sur le vélo? Oui. T'as été chez quel coiffeur? Il est en prison, ton coiffeur? Non. Non? C'est maman qui a coupé les cheveux? Non. C'est papa? Non. C'est mamie? Non. Et c'est qui là? Non. Papa. C'est papa? Vous en redonnez un d'ailleurs. J'attends Gilles. Il a fait une dinguerie. C'est très drôle ce qu'il a fait. Il est en train de préparer son repas. Vous savez, le soir, lui, bah, c'est So Shape. Moi, j'ai mon petit repas. Je me suis commandé du riz. Du fried rice. Donc là, j'attends pour manger. Et vous savez, il a fait ses pâtes So Shape. C'était quoi là-bas ce que tu voulais être? À la rabiata. Donc il a chauffé ses pâtes. Là, c'est au micro-ondes. Une première fois. Et là, il fait son mélange. Et il me regarde. Il me dit j'ai fait une dinguerie. Au lieu de mettre le shaker à la rabiata, il a mis le shaker. C'est quoi? Chocolat? Chocolat à l'intérieur des pâtes. Donc là, il a refait le pot. Donc je l'attends. Mon repas, il va être 3. Mais bon, c'est pas grave. Dans la même galère. Bon, là, je l'attends. Je vais vous montrer. Et je vais vous redonner un code si vous voulez. J'en ai mis un hier. Il y a une promo en ce moment pour Halloween. Pas mal. Donc, je vais vous en redonner un. Vous voyez, là, il a fait son petit repas à la rabiata ce soir de So Shape. C'est ça, c'est les pâtes à rabiata, là. Ça sent grave. Et moi, en fait, je me suis commandé un petit fried rice. Vous savez, moi, So Shape, c'est surtout pour le goûter. Et là, j'ai, comme vous savez, suis vraiment le challenge So Shape. Donc, le soir, c'est son repas. Et ça te cale, hein? Tu ne regrignotes pas en plus après. C'est chaud, là, par contre, je vois la fumée. Tu vas te brûler, attention. Ça va, tu kiffes? Moi, j'aime trop. Arabiata, c'est trop bon. C'est trop bon. Et donc, d'ailleurs... D'ailleurs, je vous rappelle la promo pour So Shape. Donc en ce moment, c'est le comment ça s'appelle ? C'est la promo Halloween. Donc la promo Halloween, il y a moins 15% sur pratiquement tout le site. Et en plus de ça, à partir de 80€ d'achat, grâce au code que je vous mets juste ici, vous avez moins 10% supplémentaire. Donc c'est pas négligeable pour ceux qui veulent commander leur challenge et perdre du poids So Shape. Voilà. Et je vous laisse. J'ai qui est en train de visiblement se régaler.
Donc là, je l'ai fait très rapidement parce que en vrai, après, j'allais dormir. Donc je retirerai un petit peu mes cheveux demain matin. Mais regardez, s'il vous plaît, la brillance et la souplesse et le volume de mes cheveux. Ah, mais j'aime trop cette gamme. Voilà. C'est vraiment the best gamme. Et regardez comment elle fait ressortir ma couleur sans la bouger en fait. Sans la modifier, elle la fait ressortir. On dirait que je sors de chez le salon de coiffure à chaque fois que je me lave les cheveux avec Maybe. Et surtout, ils ne sont pas abîmés malgré le blond que je fais et tout. Je suis hyper, hyper, hyper contente. Donc ça, c'est grâce à Maybe. Comme vous avez vu en vidéo, donc j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing. Et petit tips pour les filles qui ont vraiment les cheveux très abîmés. Donc c'est le Botox capillaire de chez Maybe. Donc moi, en ce moment, je suis très sur la gamme Monoï. Il fait chouette, bah, il fait beau, j'adore, ça sent les vacances. Sinon, vous avez trois odeurs différentes sur le site. Vous avez Vanilla ou vous avez Oud. Sachez que c'est des gammes vegan. Elles sont notées excellentes sur Yuka pour les addicts de Yuka parce que c'est des très très bons produits. Elles sont adaptées aussi au lissage. Donc pour toutes les personnes qui sont en lissage, vous pouvez utiliser ces gammes-là. Elles sont adaptées aussi à tout type de cheveux et surtout, bah, réparent les cheveux en profondeur. On est sur un shampoing qui est vraiment texturé, qui va venir... nettoyer les cheveux, comme vous avez vu, donc je l'applique vraiment en racine, j'en fais deux. Donc ça va venir vraiment réparer le cheveu en profondeur et le nettoyer. Et on est sur un après-shampoing qui est lui glossy, qui va venir se donner cet effet filtre, vous voyez, cet effet brillance aux cheveux et souplesse et volume directement. Et là, on est sur un monoï capillaire à faire 3 à 4 fois dans le mois, donc une fois par semaine. Vous le laissez poser minimum 30 minutes et lui va vraiment agir sur la fibre capillaire où il va venir la réparer, la doubler. Donc c'est ça, cet effet volume là, et réparer nos cheveux et pas avoir un cheveu fin. Vraiment ce cheveu où on a l'impression qu'il est épais et pas fin. Voilà, ça va venir doubler le cheveu. Sachez que là j'ai une offre de dingue, il y a moins 50% sur tout le site avec mon code promo, mais surtout les filles, donc je vais vous mettre des avis et je vous remets mon offre, mon code promo. Mais surtout, surtout, sachez qu'à partir de 60€ d'achat, vous avez le nouveau soin Botox qui vous est offert dans votre commande. C'est vraiment un maxi pot. Vous voyez, c'est du 250 ml. Donc là, vous pouvez vraiment le garder plus d'un mois. Donc déjà, vos 3-4 fois dans le mois, ça avec ça, vous allez pouvoir le faire normal. Et pareil pour le shampoing et l'après-shampoing qui durent très longtemps parce qu'on n'en met vraiment pas beaucoup vu qu'ils sont texturés. Voilà, on en met vraiment très légèrement. Foncé. En plus de ça, je sens le monoï grave. Mon oreiller, j'ai l'impression de monoï, je suis hyper contente et mes cheveux sentent le monoï pendant moins de 3 jours. Donc foncé, je vous mets les... Lollipop with a Peggy. Baga mueve el boom, baga mueve el boom, baga mueve el boom. J'espère que vous allez bien. Donc ma bouche commence à diminuer, donc je suis vraiment contente, j'ai encore des bleus, c'est encore gonflé, c'est normal, mais regardez, je suis très très contente. On voit de moins en moins les boules que j'avais là parce qu'elles sont en train du coup d'être enlevées par le produit. Sachez que le produit, il agit pendant au moins 10 jours où il va venir brûler tout l'acide hyaluronique. Donc je suis vraiment 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 contente et puis j'ai hâte du rendez-vous du coup de la semaine prochaine où pour le coup elle va voir si c'est bien asymétrique ou pas le produit qui vient brûler l'acide hyaluronique, s'il a bien agi asymétriquement sur ma bouche. Et là donc j'ai déposé Alia avec G
Je suis trop fière de ma fille. C'est-à-dire qu'elle a chouiné quand je l'ai donnée à la prof. Sans pleurs, sans rien chouiner. Et après, elle s'est arrêtée. Quand elle est rentrée en classe, arrêtée. Et elle est partie voir sa meilleure amie qui s'appelle Adma. Puis voilà, c'est terminé. Elles sont toutes les deux en train de jouer ensemble. Donc je suis vraiment, vraiment contente parce qu'elle fait vraiment des progrès. Et comme je vous ai dit, on teste aujourd'hui un jour de plus à la crèche. Ben voilà, moi la prof, elle m'a dit, même la directrice, elle m'a dit franchement, elle est tellement bien à la crèche, elle s'amuse tellement bien. Et je suis tellement heureuse parce qu'elle a des copains, des copines, ce qu'elle n'avait pas avant. Ça aide de rester avec maman et papa, bah, elle se fait pas forcément des amis de son âge. Là, elle a plein de copains, plein de copines, donc c'est vraiment cool. Et sinon, nous, on va aller dans un endroit magnifique que je vous avais déjà montré il y a longtemps. J'étais enceinte la dernière fois que j'avais été. C'est vraiment pour moi un des plus beaux endroits, de Dubaï, parce qu'on aime beaucoup. Mais c'est vraiment, il fait partie peut-être de mon top 5, celui-là. Donc, je vais vous montrer. Et puis, j'emmène ma mère, on part avec les copines et tout aussi. Et elles n'ont jamais vu cet endroit. Il n'y a que moi et Gé qui l'avons déjà fait. Donc je pense qu'elles vont vraiment kiffer, donc je vous filmerai tout. Et il va falloir que je protège, déjà je protège mon visage au soleil, je le mets jamais, mais là encore dans ma bouche parce que avec les bleus et tout, j'ai pas envie que... Et je suis trop contente parce qu'il va se passer plein de trucs en fin de semaine. Je vous dirai tout, mais en fait en gros, on va se mettre sur YouTube avec G et ma famille. Donc du coup vraiment, vous faire plein de trucs, on a plein d'idées. On est entouré d'une prod, une vraie prod et tout. Et là, j'attends, aujourd'hui, je dois recevoir les micros. Donc, je vais tester, j'ai trop, trop hâte. Et voilà. Et donc, on commence fin de semaine à créer ces vidéos-là. On en sortira une par semaine, vidéo sur YouTube. Donc, il y aura toujours un rendez-vous, voilà, de semaine pour découvrir la nouvelle vidéo. Mais j'ai vraiment hâte, parce que depuis tout le monde me dit ça, mets-toi sur YouTube, raconte un peu ta vie sur YouTube, tout ça. Enfin, fais des vidéos, fais plein de trucs. Et à chaque fois, vous me posez plein de questions. Et c'est vrai que j'y réponds pas. Donc là, ça va nous permettre d'échanger. Ça va être très, très bien. Sinon, voilà, ma petite tenue du jour. Voilà. Et ça, ça vient de chez Pretty Little Thing. Je vais l'acheter. Voilà. Et j'avais mis aussi ça ce matin. Donc, je vais le mettre aussi. J'adore. Et ça, c'est de Moni Hacham. Créatrice de Dubaï qui fait des trucs incroyables. D'ailleurs, faut trop que je la revoie, faut trop que je lui envoie des messages et tout. Parce qu'elle m'a toujours fait des bêtes de tenue, vous vous souvenez, et je trouve ça juste magnifique. Voilà. Avec des petites chaussures, mon petit sac en paille, et ça va être très très bien. Je leur ai vendu cet endroit comme les filles derrière. Comme jamais. Ouais. Comme jamais. Je vous ai dit, vous allez voir, vous allez trop aimer. Oh non, c'est trop beau. Et j'aime trop vous regarder. Peut-être s'il y en a qui se souviennent. J'étais venue avec G ici. Je suis venue plusieurs fois aussi à Psy. On se croirait au Maroc. Vous trouvez pas les filles? On va voir à Marrakech. Ça bouge un peu là le snap. Je peux pas faire aussi. Donc là on vient de faire une vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Hein, parce qu'on a mis tous les trois là, corps et âme. Gilles n'en pouvait plus avec la chaleur. On n'arrivait pas à être tous synchro. Donc j'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo. Regardez comment c'est trop beau. Là, on va aller commander à manger parce qu'on a faim. On est déjà à midi et quart. Puis on va profiter un peu de l'eau et tout. Elle est trop bonne. Je vais énerver ma mère. Regardez bien. Il y en a une qui est sur notre transat ou... Folle. Ah non, c'est ma mère. Hola. Maman, tu nous as commandé à manger? Non. Mais t'es sérieuse? Bah, je sais pas parce que tu... Mais tu dois me connaître par cœur. Ah non, je sais pas. Je voulais t'énerver, tu t'es même pas énervée. Vous savez que malgré mon grand âge, je demande tout le temps conseil à ma mère, qui est
témoin, elle est à côté de moi. Hein. Pour tout. Hein, maman? Pour les photos que j'ai postées, pour les légendes que je poste, pour un habit que j'ai envie d'acheter, pour tout en fait. Voilà, je demande toujours conseil, malgré que j'ai 33 ans, sur les choix que je vais faire, sur les choix que je peux faire avec Alia, des conseils quoi, des conseils, des avis. Et Inch'Allah, ce sera la même chose avec Cathy. J'espère qu'Alia me demandera toujours des petits conseils, elle me... Voilà. Donc franchement, ça c'est top. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a des boules et tout. En fait, vous vous souvenez, il y avait des boules à cause de l'acide hyaluronique. On a tout enlevé. Il y a encore là. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour qu'elle revoie si tout est bien parti, pour vraiment que ça soit symétrique. Et repiquer un petit peu pour là, peut-être des boules qui restent là. Mais j'aime trop comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je demanderai conseil tant que la vie nous le permet. Et si je suis pas enceinte, rigoler hier quand j'ai dit 4 semaines. J'ai dit, je ne vous dirai pas tout de suite si je suis parce que moi j'attends toujours 3 mois. Et sinon, regarde. Il n'y a rien. J'avais enlevé il y a 3 ans les injections. Et après, en fait, voilà, on en veut toujours plus. J'ai déconné, j'ai remis et ça m'a fait des gros yeux. Voilà, le karma. Là, ça y est, on s'ambiance grave. Il s'est réveillé le DJ avec la musique. Et ça va être l'heure d'aller chercher la petite princesse. J'ai trop hâte. Que vous allez bien. Donc pour notre part, tout va bien. Juste avant d'aller récupérer Alia, donc je suis en train de boire mon petit thé. Voilà. Donc c'est mon petit thé Venteur d'Anna, matin, midi et soir. Là en ce moment, je suis sur la cure. J'ai repris la cure ventre plat. Bah, elle est trop thé. Il y en a plein qui m'ont dit oui, t'es enceinte, on a vu un bidou. Non les gars, regardez, j'ai ventre plat. Donc du coup, vous m'avez tellement vexée que j'ai repris, j'étais sur la cure à 2 kg, mais là j'ai repris la cure ventre plat. Donc de toute façon, j'aime bien alterner. Et puis la ventre plat, au-delà de ça, elle me fait vachement de bien. Surtout quand je vais avoir mes règles ou quand je suis ballonnée. Parce que c'est des queues de cerises.
Donc c'est ça. Et ça a des vertus incroyables. Même les filles qui ont des douleurs de règles atroces, moi les queues de cerise, ça me calme directement. Tellement que c'est bien. Bon. Sachez que c'est naturel, c'est 100% naturel. Vous pouvez demander à vos grands-parents, regardez sur internet les queues de cerise que c'est. C'est vraiment un truc très naturel pour perdre du ventre. C'est un anti-ballonnement, ça vient dégonfler. C'est trop bien. Ça diminue la rétention d'eau. Enfin bref, ça agit vraiment au niveau du ventre et c'est hyper naturel. Donc vous avez vu la préparation, c'est très rapide. Sachez que ce qui est génial, c'est qu'à la base, les queues de cerise, c'est pas bon. On va pas se mentir, ça a pas le goût, ça. Enfin, c'est vraiment pas bon. Et là, Wonder Nana, ils ont fait des saveurs aux queues de cerise. Donc vraiment très 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 bon. Là, je suis sur fruits rouges, mais vous en avez plein sur le site. Vous avez fruits exotiques, vous avez saveurs menthe. Moi, j'aime bien alterner. Mais voilà, j'ai ouvert un nouveau paquet de queues de cerise. Alors, je vous montre ce qu'il faut faire juste avant de faire les queues de cerise. Moi, je l'ai fait avec que j'avais fait la du kilo. Donc, la cure express. Il faut toujours commencer par la cure express. Donc, c'est celle-là. Moi, j'ai saveur menthe. La cure express, c'est pareil. Ça va être du matin, midi, soir où vous faites une tasse de thé. Et c'est à faire pendant 7 jours avant d'entamer soit la du kilo, soit la queue de cerise pour perdre du ventre. Donc la cure express, en fait, elle vient vraiment nettoyer en profondeur notre organisme. Donc c'est une détox profonde, intense, pour venir vraiment tout nettoyer. Vous allez voir que vous allez perdre du poids, vous allez éliminer, vous allez dégonfler pendant les 7 jours parce que quand vous faites celle-là, vous allez aux toilettes vous vider. Ça nettoie tout. En fait, on purifie notre corps. Après les 7 jours, quand on a fini la cure express, donc on vient entamer du coup la queue de cerise pendant 14 jours. Donc c'est un challenge en tout de 21 jours, ça passe extrêmement vite et vous allez vouloir le renouveler parce que vous allez perdre vraiment du poids. Moi c'est grâce en partie à cette cure-là, ventre plat, où j'ai vraiment perdu mon ventre et regardez, après ma grossesse, vous vous souvenez, mon ventre il était dur à perdre, hein. J'avais un gros bidou et tout, on aurait dit que j'étais encore enceinte et là je l'ai bien perdu donc je suis vraiment... contente. Donc c'est grâce aux cures Wonder Nana qui sont 100% naturelles, je le répète, et c'est du made in France. Ils sont vraiment incroyables, je vais vous mettre les avis, des retours que j'ai toujours eu de chez Wonder Nana. Je les screen à chaque fois, donc n'hésitez pas à continuer de m'envoyer sur Insta vos retours. Voilà, hein, ça sert toujours pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées, mais c'est vachement, vachement bien. Vous pouvez me faire confiance sur ces cures-là. En plus de ça, elles sont très bonnes puisqu'elles ont tout un goût. Donc, elles sont très, très, très bonnes. Vous pouvez soit boire chaud, soit boire froid. D'habitude, je bois du froid. Là, je vais vous mettre un petit thé chaud. Voilà. Mais elles sont extrêmement bonnes. Sachez que les cures Wonder Nana ne coûtent pas cher de base. Mais moi, je vous ai eu un bête de code promo que je vous mets juste après. Donc, profitez. Sachez que ce code, il est valable sur tout le site. Ouais. Et ta copine à l'école, c'est qui? Anna. D'accord. Il y a aussi qui à l'école, Tata? Anna. Tata. Inès. Ouais. Hier, on a récupéré la petite canaille qui s'est bien amusée à la crèche et qui commence à courir de partout. Où tu vas? Aka. Encore quoi? Aka. Quoi? Aka. Mais encore quoi? Aka. Encore quoi? Aka. Encore quoi? Aka. C'est son endroit préféré à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te manger tout cru. Tout cru. Tout cru. Encore tout cru. Tu veux dodo? Bonne nuit. Dodo. Et dodo. Ma petite canaille. Bisous maman. Tu fais bisous au bobo de maman? Non, qu'est-ce que tu fais? Oh, non, 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 non. Ferme ça. C'est qui ça? C'est qui? C'est qui dans le ballon, là? C'est qui? Oui, mais c'est qui? C'est le boum boum, mais c'est qui sur le boum boum? Oui, mais c'est Shark. Oui. Shark.
Bye bye, shark. Bye. Bye bye, shark. Elle fait clairement sa life. Attention aux doigts, voilà. Bye bye. Là, on va aller jouer avec la cuisine dans la chambre d'Alia. Mmh. Tiens, tu te regardes dans le miroir, tu te dis coucou. Coucou. Attends, maman va allumer les lumières. Vas-y.